Et bienvenue dans ce vlog numéro 20. Donc on est le 20 décembre et aujourd'hui il pleut, ça rase. C'est-à-dire qu'on est en alerte rouge sur la Côte d'Azur encore à cause de ces inondations à la con là. Du coup voilà, aujourd'hui j'attends un colis et mon copain bah, il attend encore son colis. Et donc voilà, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, donc là ce matin ben, j'ai pas vlogué parce qu'il s'est rien passé d'intéressant. Là on va manger un peu parce qu'il est 12h30, donc bien évidemment les briques d'hier. Hop, il en reste pas mal. Bon, faut dire que je me suis un peu empiffré. Regardez, il reste quand même tout ça, donc voilà, ça c'est ce qu'on va manger à midi. Ce soir on mange quoi même? Normalement ce soir c'est poisson gnocchi. Et demain beefsteak et frites. Donc écoutez, ben, je vous reparle un petit peu plus tard dans la journée. Et puis voilà, oh, regardez mon teint. Il est gris comme le ciel. Oh. Je vous dis à tout à l'heure. Donc bon bah ben, là, toujours pareil, hein, on est un petit peu plus tard dans la journée. Pareil, toujours la même tête de cul. De toute façon, honnêtement, je vais pas me maquiller aujourd'hui, hein, j'ai rien à faire. Il pleut comme je sais pas quoi. Normalement, faudrait que j'aille au point relais, mais honnêtement, j'ai pas envie. Ah non, pas du tout là. Mais quoique, j'irai peut-être en fin de journée parce que demain c'est samedi. Donc voilà, regardez la vaisselle que j'ai à faire. J'ai envie de me tuer. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment envie de me tuer. Bon. Donc je vais faire la vaisselle et puis ben, on se retrouve après pour la pièce vintage. Hein. Aujourd'hui, le vlog va être très court. Et puis voilà, c'est ça. Heureux. On est un petit peu plus tard dans la journée, donc la journée est complètement pathétique. Genre aujourd'hui, il pleut, il se passe rien. C'est l'ennui. L'ennui total. Donc je me suis fait un petit chocolat chaud. Ça fait du bien. Et puis bon, après je vais aller au point relais parce que donc j'ai reçu deux colis. Donc il s'agit de la robe Pink Soda et d'une jupe Moschino léopard qui n'apparaîtra pas dans le calendrier vintage, mais ne vous inquiétez pas, je vous la montrerai le 25 parce que voilà, ce que je vais recevoir pour Noël et qui ne sera pas dans le calendrier vintage, je vous le montrerai le 25. Parce que bon là, je vais les laisser fermer, je vais me garder la surprise pour le 25. Et d'ailleurs, je suis grave dégoûté parce que j'ai reçu une pièce Moschino aujourd'hui de Vestiaire Collective que je devais ouvrir pour Noël et garder pour le calendrier vintage. Mais malheureusement, elle ne me va pas du tout. Donc en fait, il va falloir que je la renvoie ou je sais pas, parce qu'en fait, Vestiaire Collective, ils sont chiants avec ça. J'ai demandé si je pouvais la renvoyer. Ils me disent « Oui, il nous faut des photos, je sais pas quoi. » Donc la veste est en 40. Et honnêtement, je pense vraiment qu'elle a été retouchée parce que c'est pas possible, un 40 aussi petit. C'est genre, là vraiment, c'est un 36. Sans vous blaguer, c'est vraiment un 36. Du coup, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est qu'il a fallu que je prenne une autre veste Moschino en taille 40. Donc j'ai pris la veste puzzle blanche et noire que vous avez vu dans le calendrier vintage. Et j'ai dû les poser les deux par terre pour montrer bien la même taille que l'autre est petite comparée à l'autre. J'ai dû prendre le tour de taille en photo en centimètres avec l'étiquette de taille, etc. Enfin, j'ai tout envoyé par mail, là j'attends la réponse.
Mais c'est pas possible, faut que je la renvoie. Enfin, elle me va vraiment trop petite, quoi. Je peux la fermer, mais vous voyez, les boutons, ils sont genre vraiment. Donc voilà, je suis dégoûté. J'espère que je vais pouvoir la renvoyer. En tout cas, voilà, aujourd'hui, très belle pièce. Encore. De toute façon, là, on arrive en fin de mois. Vous voyez, là, on est dans la dernière tranche du mois, genre du 20 au 31. Vous allez avoir que des pièces fantastiques. Là, je vous l'assure, à partir d'aujourd'hui, les pièces vont être fabuleuses. Vraiment. Genre là, on entre dans le vif du sujet. Donc voilà, je suis contente par rapport à ça parce que je vais pouvoir exhiber mes merveilleuses pièces, parler de vous en parler, etc. Ça me remplit de joie. Mais en tout cas, voilà, on est en alerte rouge, il pleut, il fait moche, il fait froid, je suis dégoûtée. Et puis voilà, hein. Sinon par rapport à Pôle emploi, j'ai eu des nouvelles par rapport au souci que je vous avais parlé hier. J'ai vraiment une tête de cul avec cet éclairage, c'est fatal. Bref. Donc, si vous vous rappelez, j'ai téléphoné, j'ai laissé un message audio. Et donc hier, j'ai pas eu de nouvelles. Et donc tout à l'heure, j'ai réessayé d'appeler. Et en fait, cette fois-ci, j'ai eu une boîte vocale qui m'a dit tapez 1 si vous voulez que nous vous rappelons dans les 2 heures. Donc forcément, j'ai dit oui. Et donc, on m'a rappelé dans les 2 heures qui suivaient. Et je suis tombé sur une dame. Donc je lui dis oui, apparemment, il manque les attestations de mai 2019. Donc j'ai reçu un courrier comme quoi il fallait que je les envoie. Donc moi, je les ai envoyés sur Internet. Et ça n'a pas été accepté, apparemment. Information manquante sur le document, je ne sais pas quoi. Elle me dit oui, c'est parce que vous avez envoyé les feuilles une par une. Donc une par une, les feuilles sont incompréhensibles. Il faut tout le dossier en même temps. Je lui ai dit oui, mais j'ai déjà envoyé des dossiers en PDF avec plusieurs pages dedans. Ça a été refusé parce qu'il y a plusieurs pages dedans. Donc en fait, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et elle me dit, mais après moi, je ne comprends pas pourquoi on vous a envoyé ce courrier, parce que moi, les attestations, je les ai toutes, il n'y a pas de problème, je sais pas quoi, nanana. Je lui dis donc en fait, là pour vous, c'est bon. Genre, vous allez pouvoir recharger mes droits, il n'y a rien qui va bloquer, tout est bon, vous savez tout. Elle me fait, bah oui, moi j'ai toutes les attestations. Je dis ok. Donc du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, vu que j'ai envoyé par courrier papier, si ça se trouve, entre-temps, ils ont reçu le courrier papier, et donc c'est bon, en fait, problème résolu. Donc j'ai dit ok, bonsoir, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Ok. Quelques heures après, j'ai un numéro qui me rappelle, je réponds, je tombe sur un monsieur, donc Pôle emploi. Et je dis oui, machin et tout. Et il me dit oui, vous avez laissé un message hier, vous vouliez qu'on vous rappelle, etc. Donc là, c'était du premier appel en fait qui me rappelait. Et donc du coup, je lui dis ah oui, mais entre-temps, c'est bon, j'ai une collègue à vous qui m'a dit comme quoi vous avez toutes les attestations, je sais pas quoi, nanana. Donc il me fait ah d'accord, ok, ben, problème résolu et tout, je sais pas quoi. Je vais quand même vérifier, il me dit. J'ai dit d'accord. Du coup, il a quand même vérifié. Et là, il m'a dit, ah oui, en effet, on a toutes les attestations, mais le mois de mai n'est pas à jour. Je lui dis, ah, et comment ça se fait? Il me fait, bah, parce qu'en fait, en gros, le problème, c'était que j'avais déclaré plus d'heures que ce qu'eux, ils ont reçu en attestation. Et c'est normal, parce que mon contrat a commencé le 13 mai, et du coup, j'avais fait des extras avant. Voilà. Donc du coup, il m'a dit, bon bah d'accord et tout, je vais réinitialiser ça, je sais pas quoi, enfin, il va faire en sorte que ce soit bon. Mais du coup, heureusement que je l'ai eu lui au téléphone, parce que si j'avais eu que elle, moi je peux vous assurer que le 10 janvier, bah, il y aurait eu encore ce problème, ça aurait bloqué, j'aurais pas pu avoir mes droits. Voilà, donc en gros, voilà, je suis contente, problème résolu, heureusement que je l'ai eu lui au téléphone, parce que voilà. Et donc voilà, c'était pour vous tenir informé des petites news. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais aller déjà finir mon chocolat, aller au point relais. Et puis voilà, à tout à l'heure. Bienvenue dans la minute vintage du jour. Alors aujourd'hui, une super belle pièce. Vraiment, c'est une pièce que j'aime beaucoup, 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 que je cherchais et que j'ai fini par trouver. Donc c'est une veste de la marque Moschino. Et je vais vous la présenter tout de suite. Tada! La voici. Non mais regardez-moi ça. Elle est tellement belle.
Oh là là, mais j'adore! Regardez-moi ça. Elle est pas magnifique, s'il vous plaît? Regardez le dos. J'adore, 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 j'adore. Oh. Elle est super belle. Donc, c'est une veste, donc, comme je vous l'ai dit, de chez Moschino. Donc, de la gamme Cheap and Chic. Et là, vous avez cette doublure. Donc, les doublures comme ça, c'est que sur certaines pièces, pas toutes. Moi, j'ai deux pièces qui ont ce type de doublure. Je crois que c'est les pièces qui sont passées en défilé, mais je suis pas sûre, de chez Cheap and Chic. Donc voilà, la doublure est comme ceci. Donc vous avez tout un dessin de feuilles, de trucs, de bandeaux avec écrit Cheap and Chic. Et donc celle-ci, c'est la collection automne-hiver 1992-1993. Et c'est la collection numéro 9. Donc voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond. Du coup, on a la date de la sortie, donc c'était 92-93. Et donc voilà, j'adore tellement cette veste, elle est magnifique. Vous avez une fermeture devant par bouton, donc vous l'avez vu fermer tout à l'heure. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons dorés. Et donc voilà, regardez, c'est encore ces boutons-là avec le C de Cheap and Chic. Et donc vous avez trois couleurs sur cette veste, donc qui sont très importantes car c'est du vert, du blanc et du rouge. Donc ce qui rappelle le drapeau de l'Italie. Et donc c'est le thème de cette veste, c'est la veste drapeau italien. Moi personnellement, elle me fait penser à Noël cette veste. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, en même temps vous me direz c'est les couleurs de Noël, vert, blanc, rouge comme ça. Mais je sais pas, avec ces petits liserés comme ça, ça me fait penser à Noël. Je sais pas, cette veste elle me fait vraiment penser à Noël. Et je la trouve absolument ravissante. Vraiment, ni plus ni moins. J'adore. Donc moi, celle-ci, je l'ai en taille 42. Mais, et cette fois-ci, j'étais au courant, elle a été retouchée pour tailler comme un 38. Donc du coup, on peut dire que c'est un 38. Mais ce qui est bien, c'est que les épaules n'ont pas trop été retouchées, je pense. Parce que aux épaules, elle me va nickel. Les manches, elles sont bien. Bon, elles sont un peu trop courtes, mais ça, bon, bah, c'est comme sur toutes les pièces Moschino, hein. Mais sinon, voilà. Et ce que j'adore, c'est que vous pouvez la porter soit en manches longues comme ça, soit vous pouvez les retrousser comme ceci. Et vous avez donc dedans du rouge exprès pour faire un petit rappel de couleur avec le milieu. Et voilà, j'adore. Vous avez vu tous ces petits liserés, là? Il y en a partout. J'adore. Donc maintenant, je vais arrêter de blabater et je vais vous la montrer portée. Tadam! Donc voici ce que donne la veste portée. J'adore. Donc, voilà, regardez comme elle taille bien, elle fait bien une taille de guêpe. Voilà, vous pouvez mettre ça avec une jupe noire, une jupe verte, une jupe rouge, une jupe blanche, tout ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que je n'ai pas encore de jupe rouge. Il faut que je m'en procure une, hein, parce que, voilà, la jupe rouge, c'est un peu indispensable. Et puis, ou alors une verte, comme ça, ça peut être vraiment pas mal. Mais alors là, pour trouver le même vert, courage. Mais voilà, j'adore, j'aime tellement. Regardez le dos, j'adore. Je suis fan de cette pièce, je la trouve tellement originale. En même temps, originale mais sans l'être parce qu'elle n'est pas extrêmement extravagante, mais je trouve quand même qu'elle a son charme, elle a son truc et j'aime beaucoup. Là, vous voyez bien que ça a été retouché en 38, hein, sinon elle ne serait pas aussi près du corps ici. Mais ce qui me plaît, c'est que les épaules, regardez, elles sont nickel. Les épaules sont parfaites pour moi. Les manches sont trop courtes, mais bon, ça, c'est pas grave. Au pire, regardez, hop, je peux retrousser, hop là, hop. Et je me fais un petit look, comme ça. Ouais, ça peut être pas mal aussi. C'est très sympa. J'adore cette pièce. Vraiment, bravo. Bravo Moschino, encore une fois. Moschino, de toute façon, niveau look, je suis jamais... quand c'est à ma taille, quand ça taille pas trop petit, ou voilà. Je suis toujours super contente de comment les pièces tombent. La coupe, mais la coupe les gars. Chez Moschino, la coupe elle est vraiment incroyable. Ces détails de boutons toujours. Enfin voilà, j'adore. J'ai l'impression d'être la mère Noël comme ça. Je kiffe. J'aurais dû vous la présenter le 25 celle-ci pour Noël. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette petite beauté. Et petit tips, petite parenthèse, sachez que je vends ce modèle en noir. Donc c'est la même veste, mais en noir. Voilà, je vous mets une image juste ici.
Je la vends parce que, en fait, voilà, le noir, moi, c'est pas trop. Je l'avais acheté parce que, voilà, je pensais à celle-ci et je me suis dit, tiens, c'est le même modèle en noir et tout. Et en fait, je pense que je l'avais acheté plutôt par frustration de pas avoir pu avoir celle-ci. Et maintenant que j'ai celle-ci, la noire, je la mettrai jamais, en fait. C'est. Voilà. Donc, si le modèle vous plaît sans les couleurs, en noir, bah, sachez que je la vends pas très cher. Et donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette merveilleuse pièce que Fran possédait, hein, parce qu'il faut le dire. Honnêtement, je me souviens plus si on l'a déjà vue avec ou non. Je ne sais plus, franchement, je ne sais plus s'il y en a qui sont fans de la Nounou d'Enfer tout comme moi et qui se souviennent de l'avoir vue avec, dites-le en commentaire. Mais moi, il ne me semble pas qu'on l'ait vue avec, mais par contre, il y a un épisode où... En fait, j'avais fait un petit snap du moment parce que le moment m'avait fait rire et j'avais envoyé ça à Sarah, etc. Mais en fait, dans le moment, c'est Monsieur Sheffield qui balance les vêtements de Fran sur le lit et en fait, on voit clairement cette veste. Si vous regardez bien sur l'image, je vous la mets juste ici, sur le lit, on voit bien qu'il y a cette veste-là. Donc voilà, je sais que Fran l'avait. Je ne sais pas si elle l'a portée ou pas, mais elle l'avait. C'était la petite précision du jour et que je vous le dise. Voilà. J'espère que cette magnifique pièce, encore une fois, vous plaît. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle pièce vintage. Alors, donc finalement, ce soir, je vais pas faire à manger. Parce qu'on va se commander un petit McDo. J'ai pas envie de faire à bouffer, ça tombe bien. Donc voilà, là il est 18h38, on va attendre un petit moment. Et puis après, on commandera à manger. Et puis en attendant, je vais faire du montage. Je vais commencer le vlog, comme ça j'aurai pas à me taper tout après bouffer. Puis on a Pablo qui est bien excité là. Tu fais des bêtises? Allez Pablo, je vais t'ouvrir un petit peu quand même. On pousse ça. Tu sors mon bébé? Oh, les calinous? Oui. Tu veux venir avec moi? Attends, mais tu vas tomber. Eh bien Pablo. Coucou. Bonjour Pablo. Ça va mon bébé? Ah, tu veux te poser sur ta porte? Tiens, voilà. Essaie de pas tomber. Ça va mon bébé? Donc voilà, ben c'est ça. Et puis j'espère que la pièce vintage du jour vous a plu. Parce que moi je l'adore, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment trop hâte de manger parce qu'on va regarder Coup de foudre à Manhattan. Oh, ce film. Je l'aime trop. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. En tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. En plus, on est bien dans la période propice. Donc voilà, on a reçu la nourriture. Donc moi j'ai pris des nuggets par 9, un McFish, des frites, et voilà, avec mon iced tea. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai une petite frite et une boisson, c'est parce qu'en fait le McFish je le prends en Happy Meal, ça coûte moins cher que de le prendre tout seul. Allez comprendre. Voilà, c'est le petit tips du jour. J'ai pris une bonne douche, ça fait du bien. Et puis là on va lancer le film, donc si vous regardez ça en mangeant, je vous souhaite bon appétit. Eh oui, pour toi aussi, c'est à l'heure de manger, Pablo. T'as faim? Tiens, poussin. Bon appétit, mon Pablo. Donc voilà, on a fini notre film qui était super beau. Tu te tais? Merci. Donc je disais, on a terminé notre super beau film qui était très bien. Et puis ben là, moi, je vais vous laisser parce que, ben voilà, j'ai... Cherche. Regardez. Pablo, tu vas le rentrer. Coucou. Coucou Pablo. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais faire mon petit montage. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain. Bisous.